Goedenavond, Boswaar. Welkom op de persconferentie na de wedstrijd AA Gent-Charleroi, eindstand 0-1. We luisteren zoals gewoonlijk naar de analyse van de beide coaches. Nous allons d'abord écouter l'analyse des deux coachs. Après, il y a encore la possibilité pour des questions supplémentaires. En commençant avec l'analyse de M. Mazou. Bonsoir. Je suis d'abord très content pour mes joueurs par rapport à la débauche d'énergie qu'ils ont déployée aujourd'hui, évidemment, parce qu'on voilà, on traverse une période pas simple, avec une seule victoire depuis le début des playoffs. Aujourd'hui, les joueurs ont retrouvé les bases d'une bonne organisation avec un très gros état d'esprit. On a eu quelques situations intéressantes au-delà du 1-0. On aurait pu faire 2-0. Gant aurait pu effectivement revenir au score sur le poteau et sur deux arrêts de Nicolas. Après, je pense qu'il faut mettre en avant la première mi-temps de Charleroi aujourd'hui, où on a réussi à aller les chercher assez haut. On a réussi à déjouer par rapport à leur intervalle et par rapport à leur vivacité sur les flancs, où ils excellent assez souvent. Je pense qu'aujourd'hui, Charleroi remplit son contrat. Ça fait du bien mentalement de venir gagner à l'extérieur. Par rapport au classement, un concurrent à une place qualificative. Et voilà, j'espère que mentalement, ça va donner des idées aux joueurs qu'ils arrêtent de douter, qu'ils aient cette confiance et qu'ils aient les bases comme ils ont mis aujourd'hui pour réussir des performances. Parce qu'aujourd'hui, c'est une performance quand vous venez à la Gantoise et que vous jouez contre cette équipe avec de la grosse qualité. Gagner 0-1, ben c'est bien. Félicitations aux joueurs, ils le méritent. Merci, monsieur Mazou, voor votre analyse. Yves van der Hagen ook, jouw analyse graag. Ja, goed, voor ons is het een heel pijnlijke nederlaag natuurlijk, tegen een rechtstreekse concurrent. En daarom hebben we moeten vaststellen dat het eerste helft zeker niet goed genoeg was om op een niveau van play-off 1 een wedstrijd te winnen. En dat er te veel slordigheden waren in de passing. Te veel mensen die twijfelden om de combinatie aan te gaan. En dat weet je ook als je tegen Charleroi speelt, dat je moet klaar zijn. Eenmaal er een duel betwist is, dat je ook voor de tweede bal moet klaar zijn. En daar was Charleroi scherper in. Op het einde van de wedstrijd konden we misschien aanspraak maken op een gelijkspel. Maar ja, dan heb je niet het tikkeltje geluk dat je nodig hebt om gelijk te scoren. En zodoende is het misschien het moment om te beginnen twijfelen. We hebben het misschien heel lang kunnen wegsteken. Maar nu zag je toch een aantal spelers onder een niveau. En dat stemt tot nadenken. En we gaan zeker moeten iets doen om donderdag een heel ander agent aan het werk te zien op verplaatsen in Genk. Dankjewel Yves voor jouw analyse. Tot zover de persconferentie voor het intern televisiecircuit. Volgende thuiswedstrijd is volgende zondag 13 mei om 18:00 tegen Anderlecht. Nog een goede avond.